Bonjour à tous. Vous le savez, traditionnellement, cette période de l'année, c'est le moment où, dans de nombreuses familles juives, les enfants s'entraînent. Les enfants s'entraînent et répètent chaque jour, ou presque, ce que sera leur rôle dans quelques jours. Ils se préparent à un moment attendu par tous, un moment où les plus jeunes à table, le soir du Seder, se lèvent, parfois se mettent debout sur les chaises, pour chanter ensemble, pour poser la plus célèbre question de l'année juive. Manishtana, alayla azeh mikol alaylot. En quoi cette nuit est-elle différente des autres nuits? Et cette question intergénérationnelle, elle prend bien sûr cette année une résonance particulière pour des raisons différentes. D'abord parce que dans de nombreux foyers juifs, il n'y aura pas d'enfants cette année pour poser cette question, parce que de nombreux aînés vont se retrouver seuls à table à imaginer la question que des enfants auraient posée. Certains vont peut-être regarder un écran pour apercevoir le visage de leurs enfants qui ne seront pas à leur côté cette année. Et incontestablement, cette nuit s'apprête à être différente de toutes les autres nuits. On vit quelque chose d'inédit, mais simultanément, et je pense que c'est important de s'en rappeler, on doit se raccrocher aujourd'hui à ce que d'autres générations ont vécu avant nous. Penser d'autres nuits qui ont été traversées, d'autres obscurités qui ont été vécues et qui nous ont été léguées parfois inconsciemment, comme une trace d'autres sorties d'Égypte qui nous ont précédées et qui peuvent nous inspirer aujourd'hui. La Haggadah qu'on s'apprête à lire à Pessah, de mille manières, elle porte la trace de tragédies passées. Elle porte la trace d'autres traumatismes, par exemple la trace de la destruction du temple de Jérusalem, ou alors la trace des révoltes de Bar Korva au cours des premiers siècles de notre ère, ou encore le traumatisme des croisades. Tout ça est inscrit dans la Haggadah. Simplement, lorsqu'on la lit dans un contexte de routine, on a tendance à oublier peut-être ce dont elle est porteuse. Et cette année, je crois que presque chacun de ces mots, chacune de ces pages, s'apprête à résonner différemment, à se reconnecter à une expérience ancienne à travers l'expérience inédite que nous vivons. Au cours de cette soirée, on va se poser des questions différemment. On va se demander comment appréhender la venue ou pas du prophète Élie, se poser la question de la possibilité ou pas de lui ouvrir la porte pendant le dîner, la conscience particulière aussi de l'amertume qu'on va consommer, de la nostalgie, du manque, du deuil, de la peur. Tout ça va être présent autour de nos tables du Seder. On ne pourra pas lire l'histoire des 10 plaies de la même manière, c'est sûr. Et peut-être que nous penserons différemment aussi ce que signifie l'Égypte dans nos vies. Vous savez, les rabbins racontent que l'Égypte, c'est littéralement Mitzrayim, la zone d'étroitesse, c'est-à-dire une forme de confinement spirituel dont il faut apprendre à se sortir par la force de l'esprit, par la force du lien entre nous, par la force de solidarité humaine. Tout ça s'apprête à résonner différemment cette année. Et en réalité, c'est exactement à ça qu'on doit s'entraîner aujourd'hui, comme les enfants s'entraînent traditionnellement à énoncer la chanson du Manishtana. Au cours du Seder, on va dire, on va chanter peut-être ces mots, Bechol dor vador, Chayav adam lirot et atzmo ke'ilu ou yatsa mi Mitzrayim. À chaque génération, chacun d'entre nous doit se percevoir comme s'il était lui-même sorti d'Égypte, lui-même en train de sortir d'Égypte. Et je ne crois pas personnellement avoir vécu dans ma vie de moments qui racontent autant cette conscience nécessaire, la conscience que nos récits ne parlent pas d'un « il était une fois », de quelque chose qui serait arrivé il y a très longtemps à nos ancêtres, mais nos récits sacrés, nos histoires sacrées racontent un « il est une fois », quelque chose qui se passe aujourd'hui, à la fois comme nous liant au passé, mais comme arrivant presque pour la première fois. Lors de la soirée du Seder, rien ne peut commencer tant que des enfants n'ont pas posé une question, cette question du Manishtana. Et cette chorégraphie ancestrale, elle vient nous raconter quelque chose d'essentiel. Nul ne peut commencer à raconter son histoire, nul ne peut espérer sortir d'esclavage et se mettre en route vers la liberté s'il ne laisse pas d'abord résonner des questions. La possibilité d'entendre ces questions qui résonnent dans la bouche d'une nouvelle génération, mais qui résonnent aussi à l'intérieur de nos propres têtes, à l'intérieur de nos consciences, et qui sont, pour nos sages, une clé de toutes nos libérations. Il y a une très célèbre histoire que vous connaissez peut-être, qui est racontée souvent de la manière suivante. On dit qu'il y a un vieux rabbin qui se promenait dans les rues de son shtetl, dans les rues de son village, en criant « j'ai des réponses, mais qui a des questions ?» Je crois que aujourd'hui, chacun d'entre nous est un enfant qui doit s'entraîner à poser les questions nécessaires.
Alors vous avez quelques jours encore pour vous entraîner à ce Manishtana personnel. En quoi cette nuit est-elle différente pour vous de toutes les autres nuits? Et à quoi pourrait ressembler le jour qui suivra? Voilà quelques exemples de questions qu'il est l'heure de se poser. Dans quelques jours, nous serons au soir du Seder et les rabbins du judaïsme en mouvement seront à vos côtés pour le deuxième soir du Seder, pour un Seder communautaire, virtuel, mais bien réel, qui va être organisé pour vous. Tous les détails seront bientôt donnés sur notre site. À très bientôt.